On a passé une semaine pour installer toutes les pièces à Bordeaux. C'était une semaine de pluie, mais bon, on fait partie du jeu. Quand on travaille dans l'espace public, on est complètement sans abri. C'est-à-dire, il y a les temps, on peut dire, la pluie, le soleil, mais aussi sans l'abri conceptuel de l'institution, du musée ou de la galerie, qui donne le contexte à l'œuvre. Je crois que ça, c'est une des choses plus intéressantes quand on travaille dans l'espace public, que l'œuvre doit survivre pour soi-même. Et je trouve assez intéressant parce que les gens, au moment de marcher dans la rue, ils trouvent tout d'un coup quelque chose et ils doivent faire le dialogue avec. Et c'est l'œuvre qui tout d'un coup devient partie de la vie quotidienne des gens qui habitent la ville. L'installation a été complexe. On a travaillé avec les services de la ville de Bordeaux, c'était formidable. Et voilà, j'espère que les gens vont apprécier toute cette installation. Dans le parcours de pièces que les gens vont trouver à Bordeaux, il y a plusieurs où les textes, on peut dire plutôt les mots, sont très importants. Je travaille les mots depuis toujours et je trouve que les mots, dans plusieurs alphabets, c'est une métaphore très jolie de la société même. C'est-à-dire, une personne toute seule, c'est comme rien, mais en association avec des autres, elle peut former des communautés, des villes, des pays. C'est un peu comme les mots, un mot, une lettre, on peut dire, toute seule, c'est comme rien, mais en association avec des autres lettres, il fait les mots avec des autres mots, des paroles fait des textes fait de la culture. Je crois que les communautés ou la société et les textes, c'est presque la même chose, parce qu'on est des personnes grâce à la possibilité de parler, à ces communautés grâce aux mots. Et les gens vont trouver des personnages construits presque qu'avec des lettres. Et je crois que c'est vraiment la définition des personnes. C'est l'unique chose qui nous différencie des autres animaux qu'il y a dans la nature. C'est notre possibilité de communiquer avec les mots. À côté de toutes les pièces avec lesquelles les lettres et les textes sont très importants, il y a aussi un groupe de pièces qui sont des portraits de jeunes filles. Dans la cour de la mairie, il y a des têtes qui se regardent l'une à l'autre comme une espèce de conversation. C'est le portrait de deux filles, de deux jeunes filles, que c'est Mariana et Aguilda. C'est une fille du nord de la Catalogne et une fille dominicaine. C'est fait avec le fil que suivre les lignes en 3D avec lesquelles je travaille normalement dans l'ordinateur. On a passé presque 9 mois dans chaque tête pour la construire. Ce sont des pièces d'une énorme difficulté technique. Et en face de la cour de la mairie, en face de la cathédrale, il y a encore un autre portrait dans la place de la Comédie aussi, qui sont des têtes coulées en fonte de fer. Et c'est le portrait en face de la cathédrale d'un fille qui s'appelle Paula, et dans la cour de la Comédie, c'est la fille qui s'appelle Sanne, fille suédoise. Je crois que tout le monde va remarquer que les filles ont toujours les yeux fermés, et c'est une façon pour moi de donner beaucoup d'importance au chemin intérieur. C'est-à-dire, on est entouré de beauté, la ville est très belle, le paysage est formidable, mais je crois que tous nous, on a une beauté cachée dans nous que je crois qu'il faut redécouvrir. C'est important qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, mais je crois que c'est bien fermer tes yeux, essayer de regarder qu'est-ce que tu caches à ton intérieur et le faire sortir et communiquer aux autres.